13 septembre 2021, et bien, Mouna qui est après tant de matin débat ça, donc parce que vous connaissez que matin débat, et c'est là que vérité a parlé. Et toute vérité parlé sur table matin débat. Et ça fait que matin débat, je dis, il est très respecté. Donc par la population haïtienne, tout haïtien qui vit en Haïti également, haïtien qui a une chance de matin débat au niveau de la diaspora haïtienne. Bonjour Esaü César. Bonjour Loukou Désir, bonjour Pierre Mazet à toutes, bonjour José Lexidor, bonjour Haïti, bonjour la diaspora, bonjour tout le monde qui est un peu partout à travers le monde, monde qui est dans l'hôpital, monde qui fait accident, qui peut pas mourir, qui peut pas mourir, monde qui mourit, c'est passé à famille. Eh bien, Loukou Désir, j'en ai annoncé depuis vendredi, route qui mène dans le Grand Sud, bloquée. Lui bloqué pour la simple bonne raison, et selon information recueillie sous place, eh bien, monsieur, dame, qui ont même, dans la zone Matissa, Fontamara, Carrefour, eh bien, ils ont levé campé par rapport avec accord qui s'y est samedi à Loukou Désir, samedi à, et compte tenu que, selon eux-mêmes, information qui t'a fait quoi que, eh bien, premier ministre et Ariel Henry, t'a gagné indexé le rapport de CPJ à non, comme quoi, il a gagné cité la question qui y a avec parler avec Joseph Badio, eh bien, monsieur Fayo, qui est zame dans le un peu partout, dans le niveau Fontamara, Matissan, eh bien, monsieur yo bloqué ou ta, et yo mandé pour que Ariel Henry démissionne, by talon blanche, nan primatia. Qui donc, c'est ça, qui, on est capable de dire revendication, monsieur Sayo yo même, qui bloqué ou ta, et yo te annoncé, comme nous te même noté, une information, yo te annoncé tout le coup des yeux, yo te dit que si Ariel Henry pas lui-même fait lumière, fait le point, sous sa lité parler avec Joseph Badio, il a bloqué pays à Namel. Et chose dite, chose faite, eh bien, monsieur, a bloqué espace qui mène dans le Grand Sud là. Non, on n'a pas la voir là, Loukou Désir. Eh bien, il n'est pas facile. Si on a sorti dans le Grand Sud, ou à entrer par le presse, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas facile. Et ceci dit, et pas de moyens même pour passer à pied. C'est coincé pour passer. Voir, pour t'apprendre, moto pour t'apprendre. Donc ça veut dire que, situation ça, c'est ça qui est là, dans le moment où on a parlé là. Est-ce que t'es dans la rue, Isaïe? Monsieur, pas dans la rue, mais, et monsieur, pas dans la rue avec Zam, bien entendu. Il va dans la rue avec Zam, et il n'est pas arrêté, nous garder, nous, hein, monsieur, nous pas monsieur avec Zam. Mais, il y a dans la rue, il a contrôlé, espace côté qui bloqué. Il a bloqué Matissa 25, il a mis barricade dans Matissa 25, il a mis barricade dans Fontamara 27, il a mis barricade dans Fontamara 29, et il a bloqué espace Fontamara 43 qui menait dans le Grand Sud. Maintenant, il y a un incident passé matin, c'est que un jeune garçon qui lui-même, et selon monsieur, c'est un égaré, quelconque qui t'a barré, maintenant où il y a la police t'a demandé pour le déplacer, et monsieur qui t'a annoncé, selon l'information que nous cueillons, et bon côté monsieur, et bien, la police a tiré sur lui. Jeune garçon a mouru, et après ça, selon l'information encore. Est-ce que c'est une vérité dans la mesure où, moi-même personnellement, dans la mesure pour me vérifier, selon M. West 401, que machine blindée a, monsieur, t'a passé sous lit. Si c'est vrai, c'est ta méchanceté. Si c'est vrai, nous disons tout le temps parce que c'est parole par eux, contre parole, monsieur, de la police. Donc, c'est ça qui arrive là. Donc, monsieur, une plus mauvais. Ils ont mis des carottes sur boule dans la zone côté de la chaque côté qui est barricade, et barricade, grand barricade, comme si qui barre pour aller dans le Grand Sud, pour aller dans Port-au-Prince. Eh bien, et monsieur, ils ont mis des carottes sur boule correctement. Non, on n'a pas la voilà là. Donc, ça veut dire que, et pour un monde qui peut aller, ou bien qui a sorti dans le Sud, pour aller, ça sorti dans l'Ouest du Nord, et pour aller dans le Grand Sud, ce n'est pas facile, et sinon que, on va marcher à pied, on va quitter machine dans l'espace côté où sorti là, en direction côté où sorti là, pour aller côté où on va aller là. Tellement qu'il y a gros barricades qui ont été posées dans la zone côté où nous parlons là. Matissa 25, Matissa 23, et Fontamara 29, Fontamara 27. Et
De fait, monsieur, yo, sur toute la rue, et yo barré tout espace là pour moun pa passé. Donc ça veut dire que c'est ça qui est là. Et revendication, yo, selon ça, nous recueillis sous place, monsieur yo, dénoncé accord qui signé entre Ariel Henry, qui même, selon yo même, qui est annexé dans Zach Sassinaï, qui fait sous Jovenel Moïse, monsieur yo, estimé que son soufflet que monsieur. Et monsieur Ariel Henry Tabay, et cadavre président, de la mesure où qu'il signe accord avec monsieur SDP, monsieur, et l'autre monsieur, yo, et qui n'a pas parti politique. Yo. Donc, selon monsieur, yo, Ariel Henry pas gagné, aucune moralité pour t'as signé accord pour diriger le pays. Selon même, on seul geste pour monsieur Ariel Henry d'affaires, c'est à démissionner, présenter démissionner, même Jean, protecteur citoyen, mandé ça, dans dernier lettre écrit, dans dernier note, eh ben, et protecteur citoyen, eh ben, écrit, il a mandé pour Ariel Henry démissionner. Mais Jean Tour, c'est le cas de nos papes complices qui mandaient Ariel Henry, eh ben, pour qu'il démissionne. Ok, faut qu'il démissionne. Donc, il y a diverses autres voix qui levaient contre, eh bien, et décision pour Ariel Henry, t'as pris pour qu'on signe un accord samedi, nous rappelez-nous, eh bien, non primature. Donc, ça veut dire, alors, pas non primature, non résidence et primature, et premier ministre, qui est dans Musso. Donc, ça veut dire que je dis à là, le collègue, et Jean-Claude Roubaix, titre-là, eh bien, les jours de Ariel Henry, est-ce qu'elle n'est pas comptée? Est-ce qu'elle n'est pas comptée? Dans la mesure où, ça nous est hâté à l'eau des îles, pas bon, merci. Parents, l'école est dans l'ouïe. L'école a oublié ça. Mm-hmm. Et officiellement, l'école a oublié 21, mais il y a une école qui est dans l'ouïe. On est sur l'école à double vitesse. Ok, sur l'éducation à double vitesse, il y a l'école congréganiste. Et de fait, je dis à là, il y a l'école. Dans plusieurs côtés, en une commune Cafou, mais l'école a l'ouvrir. En une commune Port-au-Prince, l'école a l'ouvrir. En pile côté, en une région métropolitaine Port-au-Prince, l'école a l'ouvrir. Mais comme du tout, nous connaissons, il y a un bon parent qui a souffert dans ce moment-là, qui n'a pas de moyens pour même après canet. Donc ça veut dire que le monde estime que le Premier ministre, au lieu de taper Chita, Chita signé un accord avec monsieur, c'est à mettre un programme d'apaisement social. Quand on fait ça avec SNGRS, quand on fait ça avec diverses couches en dans espace pays, dans le pouvoir, qu'on mette c'est des moyens d'apaisement pour qu'ils répondent avec San Rilé, et petit problème que par ont gagné pour aller canet dans l'école qui peut causer. Capable de préparer canet. Je veux dire, à un moment-là, pas de rien à terre selon certaines organisations populaires. Donc, organisation de base, qui est dans le quartier populaire, on va pas mentir, le collègue, sous faut y parler avec Boiron, qui a intervenu mercredi Capina, mais le collègue, c'est réel, Kamako, réel. C'est-à-dire qu'à côté des gens qui, dans le Grand Sud, qui ont grande difficulté, dans les NIP, et Sud, et Grand Os, et situation ça, lui dépasser les bonnes. Et ceci dit, il faut qu'au moins, un gouvernement pour exécuter tout ce que tu as dû exécuter, mais il faut qu'au moins, tu as une population. Mais selon un peu le monde de la population, c'est politique-là qui a gommé pour pouvoir, pas un effet qui a pour la population. Donc, ça veut dire que je dis à la parole à l'Ocodé Zio, la situation est catastrophique à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut qu'il y ait un mot qui dit, sous la sécurité. D'ailleurs, il y a un agent USGPN, mais ailleurs, dans Matisson, il y a un kidnappé, un bandit, un exam, kidnappé M. Matisson, il y a monté avec M. Grand Ravine. Donc ça veut dire que l'agent USGPN, ça, M. qui a accompagné Madame Ni, M. c'est Nek Kafou, ok, Nek Bouchette, eh bien, il prend M. il est allé à M. depuis ailleurs, à toute Madame Ni. Non, on n'a pas la voilà là, eh bien, Moun Kafou, mauvais coucou, et. Non, je vous avoue, là, si vous pas libéré, monsieur, selon l'information qui est sur place, pas la gâter. Merci en pile, Esaïe César, merci en pile. Voilà, donc, pas oublier que nous, dans l'émission Matin Débat, Jacques Nzoulian, c'est que Matin Débat, c'est vérité à qui nous parler sur table Matin Débat. Vous connaissez un peu le monde qui a pris tant d'émission Matin Débat aujourd'hui, qui c'est lundi 13 septembre 2021. Bien matin, il y a une vérité que nous devons connaître, bien matin, à tout. José Lexidor, est-ce qu'on est que pour un haïtien mal à l'aise, pour embarrasser un haïtien, alors, pas grand pile monde qui est dans la situation,
chaque monde qui est dans la situation ça à comparer à taille population, OK? Il pas en pile. Mais plus fort haïtien pour embarrasser. Sous besoin embarrasser un haïtien, plus fort haïtien. Que ce soit dans section communale ou bien dans centre urbain yo, dans mitan ville yo. Quantité moun pour pas embarrasser ya, li pas en pile à comparer à quantité moun qui dans situation que m'bal dire là. Ouais sous besoin embarrasser un haïtien, Allah kay li mande le toilette, mande toilette. Mhm. Est-ce que nous connaît ça? Ouais. Bien matin à toutes. Combien de monde dans le pays a comparé à presque 12 millions d'habitants qui la caillou con toilette conforme moderne? OK. Est-ce que vous comprenez mon frère? OK. De vous besoin embarrassé un haïtien. De vous besoin embarrassé un haïtien. Que soit dans section communale ou bien dans centre-ville ou bien dans centre-ville. C'est là qu'il libère maintenant tout, mandé le toilette. Sinon, alors, c'est bonjour, bienvenue. Comment est-ce que ma soirée? Bienvenue. Comment est-ce que ma soirée? Bienvenue à l'émission Matin Débat. Est-ce que vous comptez vérité ça? Oui. De vous besoin d'embarrasser un haïtien? C'est arrivé là qu'il m'a des toilettes. Ouais. C'est vérité ça, on nous parle sous Matin Débat. Parce que, je dis, combien de monde qui ont une toilette vraiment? Une toilette conforme moderne la qu'il pas grand pile haïtien, non? Gede kaila oué, kaila la. Et puis toilette ta chargé. Que doit ou ka wè un appartement là, son sel toilette pour tout monde, pour tout appartement net, tout building net. Et le plus souvent, ou bien toilette là, li pas floche. Oui, c'est de l'eau obligé. C'est de l'eau vide là-dedans. OK, ou bien toilette là pas propre. Donc là on mande mon toilette là du fond titane. Ah oui. Ou bien carrément, il touche à la chaleur. Il touche à la chaleur. Il faut y tenir. Ou bien sous l'assurel, que l'aller, lui préparer, toilette à cleaner. Ou du moins, si vous avez si par un de l'eau, comme si. Ah, mais c'est la vérité, ça, vous parlez sous table de débat. Et on a toujours parlé de vérité, madame, monsieur, sous table de débat. On allait rapidement. Docteur Larratea Nazon, que bandit kidnappé pendant le week-end dans Pétionville. Et sur toutes les réseaux sociaux, vous avez fait quoi que c'est petit Ariel ou bien c'est ce Ariel? Alors c'est Belfil. C'est Belfil. C'est petit à Dr. Alix et Nazom quoi. Yeah. Mm-hmm. Yeah. C'est Belfil. C'est Belfil. Alors, il n'est pas Belfil. Il n'est pas Belfil? Non. Okay. Il n'y a aucun rapport avec Ariel Henry. Ok. C'est ça. Ok. Lara Théa Nazon. Moun qui prend Lara Théa Nazon, la guille. Si c'est pour Ariel Henry qui prend Lara Théa Nazon, libérez-le parce que il n'y a aucun rapport avec Ariel Henry. Ok? Ariel Henry fait petit avec maman. Ok. Et Ariel Henry a 6 ans depuis qu'il n'est pas avec maman encore. Et même petit ça, d'après sa famille Odim, Ariel Henry n'est pas occupé. Hein? Ah, attendez. Ah. Attendez. Bah. Mais Mathieu Natus pour attaquer. Non, mais Mathieu Natus, c'est ce qu'elle a fait là, c'est difficile pour attaquer lui. Donc, moun qui kidnappe. Bandi qui kidnappe la rate en azon, nous avons mauvais monde nous. Il n'y a aucun rapport avec Dr. Ariel Henry. Donc, si c'est politique, les politiques qui aujourd'hui a mis Bandi dans la rue pour kidnapper Dr. Lara en azon, libérer la rate en azon, c'est le bagage avec Ariel Henry. Ariel Henry, justement, font petit à maman. Ok? Et Ariel Henry quitte maman, ça a 6 ans, il est séparé. Et d'après famille, petit ça, elle est même occupé, Dr. Ariel Henry pas occupé. Donc nous même qui gagne la rater à la zone nan men nous libérer. J'étais pour politique, nèg politique aussi c'est nous fali, bon dégagez nous et il pas aucun rapport. Ariel Henry bagarre la perte là même. Poko si c'est avoué comme ça. Bye bye occupé. Bye bye occupé. Ça vient faire des problèmes moral bye voilà. Pour le bigot monsieur. Combien s'il veut parler là parler. Non parce que non pas occupé. OK. Pas occupé à très dit. On aller. Bon, OK. Sénateur Youla, tu es déjà là, donc qui s'est invité de matin. Et quand il vérité que papa de matin, avec sénateur Youla, tu et ce conjoncture-là, sous ce qui a passé pratiquement dans le pays. Et Haïti politique. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, pourra-t-il renvoyer ou bien révoquer le ministre de la Justice et de la Sécurité publique,
Maître Rockefeller Vincent sans un arrêté dûment signé en Conseil des ministres. Madame, monsieur, vous savez que vous expliquez, la bataille qui est là, son bataille pluridimensionnelle. Il y a plusieurs dimensions là-dedans. Et son confrontation que lui. Mais bataille là qui vient plus accent entre deux camps. Le camp de Jovenel Moïse, donc responsable qui était dans le camp Jovenel Moïse, et puis le camp de Joseph Michel Mandeli. Et allié, donc, en parlant de PHTK, et tout reste allié, c'est allié. Ensuite, vous venez une classe politique là même, l'opposition, et puis gagner la société civile, et puis gagner également donc, la classe économique, le secteur économique. Donc, son tableau qui n'est pas facile pour garder et pour comprendre. Il a fait matin débat, nous toujours assurer nous là pour nous expliquer ce tableau ça est. Et ceci, en toute vérité. Comme on dit, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais les gens qui sont d'accord, ils sont plus petits. Que moun ki d'accord yo. Gade moun Gabriel en téléphone, fait menace. Bon, ça nous passe étape ça déjà, nous pas un problème. Mais vérité a, l'a toujours parlé sous table matin débat. Nan moment n'a parlé à la information. Nan moment n'a parlé à la sénateur Hulot Tantu, ministre de la justice, tout noir. Hmm. Again, y'aurait pas tiré ou bien? Aïe aïe aïe. La fumée? Aïe aïe aïe. Ministre de la Justice tout noir, actuellement là, madame, parle à quoi là? Non, mais on m'a parlé là, madame, monsieur. Caoutchou Kaboulé dans la cour. Qui s'est passé au même? Pas la même. Où est tout hier soir? Hier soir, vous m'avez circulé sur les réseaux sociaux, sénateur là tout de suite. Mm-hmm. Et que docteur Yalari veut évoquer Rockefeller Vincent, ministre de Justice. Gros humain, effectivement, madame, monsieur, du côté du camp de l'équipe de Ariel Henry, tout est ancien aujourd'hui. Faut révoquer Rockefeller Vincent pour installer Lis Kittel qui c'est ministre intérieur. Comment? Dans place Rockefeller Vincent pour pas pour la PGR par intérim. Mm-hmm. OK? Et ben qu'on y a madame monsieur. Rockefeller Vincent clair sous question, ben maintenant dans tout. Lui estime que aujourd'hui il y a six chefs d'ambéa les Rockefeller Vincent. Comment? Parce que tout avenir Ariel dépend de lui tout. Alors, révocation d'abord. Ok. Révocation. Et que je tiens à mettre Rockefeller Vincent comme ministre de la Justice, il y a une mine là, matin là, il débarque dans le ministère de la Justice avec toute équipe sécurité nette. Et mettre Rockefeller Vincent, madame, monsieur, dans les prochaines minutes là, ou qu'attendez Zé n'importe où dans le pays d'Haïti, qui s'est passé? Mettre Rockefeller Vincent paré là matin. Hein? Si Ariel Henry débarque dans le ministère de la Justice, non, avec Lis Kittel, la parole était ni Ariel ni Lis Kittel. Sentime là. Pour usurpation de titre. Vous écoutez, matin. Mais cependant, c'est si justement il a évoqué monsieur sans un arrêté, tu vas signer un conseil de ministre. Oui, parce que pour gagner, il faut que tu aies gagné un arrêté qui nommé et un autre ministre qui va venir remplacer. Et arrêter si là. Pour arrêter sorti gon ensemble de procédures qui doit respecter. Oui. Donc et pour les publier tout, gon moun qui pour voyer le publier. Moniteur. Oui. Donc ça veut dire que Jean Boubaga yo fait. Madame monsieur, mais ça gagne dans le pays. Et est-ce que le premier ministre à lui seul capable pour arrêter l'ici et pour contre lui, lui voyer le baronal et ces gens dans le moniteur. Jean Boubaga. Mais il y a autre chose également. Vous écoutez matin débat. Juste publication dans le publication. Voilà. Réponds-moi c'est l'attention. Donc effectivité arrêtée. Même si le conseil des ministres. Quoi? Faut le publier. Depuis le pas publier, le pas vous. Madame, monsieur, mais ça gagne là dans le pays. Parce que la formule de cadeau que vous toujours dit, c'est l'arrêté doit être publié et exécuté. Merci en pile, sénateur Latantu. Ici, matin débat. Vous écoutez, matin débat. En cuisine, parce que. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne vais pas comprendre. Aïe, aïe, aïe. Mais ça gagne là, madame, monsieur. Ne m'en parle pas là, dans les prochaines minutes, ou quand on est des zins, dans pas de brise dans le pays d'Haïti. Je ne vais pas le bon nous. Mais quand on fait l'investissement, les doules pas créer pour le job, non. C'est parce que pas qu'il faut que l'on s'est entendu. Mm-hmm. Mais lui-même, comme ministre de la Justice, lui qu'on doit lui, il n'a pas qu'à quitter des autres affaires faites dans le pays. Ouais. Parce que pour Ariel Henry révoquer, quel que soit le ministre qu'il a, il faut arrêter à lui signer, tu vas signer donc un conseil des ministres et publier donc, dans le journal officiel moniteur.
et mettre quoi faire les versants matin débarquer le ministère de la justice ancien bon balistien à toute sécurité et les clés depuis à l'heure débarquer le ministère de la justice à matin là à toute liste l'a pas arrêté tous les deux parce que le commissaire gouvernement guette sous place. Sous Sénégonaï, vous avez dit Achango. 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 Si nous c'était Sénégonaï. Vous écoutez, m'attendez pas. Sénégonaï, vous n'avez pas parlé de vous, monsieur. Si nous c'était Sénégonaï, vous n'avez pas parlé de vous. Donc ça, c'est quoi, madame, monsieur, qui n'a pas une information pirate. Mais information. Vous écoutez, matin débat. Vous dites ça, c'est matin débat. Il n'y a pas l'autre bagaille. Ici, matin débat. Qu'est-ce que tu dis, non? Ou aujourd'hui, j'ai pété. Gon conseil des ministres qui programme là à 2h30 sénateur l'autre tu dans résidence officielle. Dans résidence officielle, qui résidence officielle? Non, premier ministre. Non. Gon conseil des ministres qui programme là, nous songez. T'es gon CSPN. Docteur Ayla font CSPN, il va inviter ministre justice là. Ministre justice là. Et qui sont maillons importants dans la chaîne, parce que c'est de sécurité qu'on a parlé. Gon conseil des ministères qui programme pour 2h30 après-midi. C'est gardé pour nous garder. Est-ce que on va l'inviter ou faire les vaisseaux? Et si on va inviter ou faire les vaisseaux dans le conseil des ministres, madame, monsieur, j'ai pété dans le pays. Nous avons notre information pour nous, mais bon, nous allons parler avec le centre d'attente et puis nous allons tourner là. Sur notre information qui est pour nous. Pas virer le bouton radio, parce que là, matin débat, ça, ce matin débat capital. Grimba m'a dit nous, semaine ça, ben là, pas red dans le pays. Déjà, dans le moment où on a parlé là, Carrefour bloqué. En haut bas descendre, en bas pas monter. Dans le moment où on a parlé là. Même motocyclette pas qu'à passer, faut ta marque en toi. Monsieur, vous bloqué là où il y a, parce que vous pas d'accord. À façon que Ariel Henry lui-même lui prend la psy à quoi. Et nous devons être contents et déclaration barbecue. Ah oui. Barbecue qui était bon. Et avec toute bonne nuit. Okay. Donc, semaine ça, madame, monsieur, problème dans le pays. On ne peut pas parler avec le sénateur de la torture. Et puis, on a tourné pour nous l'autre information encore. Ça a un rapport avec les questions politiques du pays. Sénateur de la torture, comment on est? Eh bien, nous, la loco, nous saluons. Et ma vie en direct. Matin débat. Matin radio. Et émission ça, et toute sensation qui est là-dedans, l'information. Salut Josué, député. Je salue Martin, je salue Louko, je salue tout météo, toute équipe qui est là. Et son plaisir, Louko, pour nous là. Et m'espérer que Gonaï va attendre nous, la Tibou va attendre nous. Gonaï va attendre nous, la Tibou va attendre nous. On nous commence dans la genèse question, sénateur, l'entendu. Très bien. De la nuit du 6 au 7 juillet dernier, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Une enquête qui ouvrit, FBI vient sur le terrain. La classe de l'opposition, les informations sont venues jouer nous. Qui est-ce que tes premières réactions? Première réaction, loco, c'est saisissement. Ouais. Paniquer parce que la bataille qui t'a mené, son bataille, j'aime des cas dit, qui est basée sur l'arme de la dialectique. Très bien. Nous pas jamais pensé au niveau bataille là, d'après la dialectique des armes. Yeah. Et première réaction que tu as faite à 6 heures au niveau de Dearborn, nous t'es condamné Kremlin et nous demandons immédiatement que les mesures soient prises puis arrêter et auteur et mener devant la justice. Eh bien. Ça c'était à 6h30 puisque nous communiquer avec l'autre monde et nous préparer notre là parce que nous t'es condamné ça crivé à et l'inacceptable parce que le jour que ça accepté et la continuer en politique pas que aucun président. Oui, ça ça arrive n'importe qui monde. Pas aucun président. Demain on va essayer d'avoir un pouvoir tout et puis on est débagué, n'a pas. Mais pas oublier le coup depuis le ça son seul bail m'a prévité. Mes anciens commandants adjoints du RGPN. Yeah. Moi a demandé comment ça fait arriver. Comment ça fait arriver? Ouais. Parce que président, il y a 4 périmètres de sécurité. OK. Depuis dans premier qui c'est USP, dans deuxième là qui c'est 4 team, dans troisième là qui c'est RGPN et côté lié président, que ce soit la CAELI ou dans palais ou dans province. La police c'est 4e périmètre. Donc, comment on peut comprendre que un monde qui toujours est minimum 75 monde qui protège le minimum. Minimum. Parce que entre USP, 4 types, USGBN, nous arrivons déjà à 60. À 60, ok. Oui. Quand il y a la police qui fait périmètre dehors, il y a toujours au minimum 15 monde qui est là. Okay. Donc, 75 monde en permanence pour que, d'après ça, on dit des bonnes entrées,
yo jouel, pas gon coup de zam, pas gon moun ki blessé. Ça, li te en préoccupation pour nous. Okay. Parce que moi fait 5 ans dans sécurité résidentielle. Eh ben. Et moi connais que chaque mois, nous gen sa ou le on exercice sur le SOP, le Standard Operation Procedure. Comment que nous garder si gon attaque, comment pour réagir et pas gen moyen pour que ça arrive. Parce que bam nous loko, imagine au président non kay ou gagnent si mo ki dehors. Eh a dit avant rentrer dans la eh ben. Ou gen URGPN qui dans périmètre là dans portail yo cap contrôler sous mur la guérite eh ben. Ou gen 4 team qui dans les têtes caïla eh ben. Pour que si on moun a patré li franchi URGPN li même il était devenu et depuis qu'on coup de balle qui tire ou gen ISP qui doit courir à président al mettre l'autre non lieu dessus a aucun moyen non pas aucun jeune aucun jeune le président moi tendez après les à moun oui. Depuis Katouche, USP te doué gant apren. USP te doué prend président, mette le nom lieu su. C'est pas dans la chambre li pou la fait coup de fil, li te ka fait la partie de bon cœur. La partie de bon cœur. Et si président côté que patage bon cœur avant le dormi, faut yo gant gade qui côté ap kouri avec. Si bon bagay. Parce que président te gant dakar la bagay bon cœur, mais si map gade Mukaela, gen danse de tipot ki nan mio, yo te gant la sauve avec. Parce que dès que moun yo rentré, grand pile coup de zam qui tiré, oui, y a patria. Oui, y a patria. Donc président oui. Tande bruit zam yo. Oui. USP doit prendre président. Et président rele moun. Oui, pas quitter le palais. Ouais. Mettel dans lieu a pour même si nèg yo pénétrer en cette là, yo pa jeune président. Eh ben, président. Si président nan cortège, yo attaquer cortège là, OK? C'est 4 team à USP qui et USGBN qui pour bataille. Bien. USP a prendre, li sauver la machine ni, li quitter nèg soit bataille. Bien. Donc USP va gon mission de combat. Ouais. La mission de combat appartient à l'UIGBN et aux 4 teams. Et à la police qui l'a. Comment faire au président après les à demander secours côté USPD pour ne pas évacuer. Et quelle est la réaction du 4 teams qui en l'est bien. Parce que si on te dit c'est une grenade, vous avez sauté calable, vous comprenez mais pas une grenade. Donc là, l'entrée, est-ce que vous n'avez pas réagi là où vous franchissez le premier périmètre là? Mon cher sénateur, merci parce que vous venez dans l'émission matin. Parce que. Ouais précision ça yo l'important pour payer te connait yo très important comme spécialiste en sécurité pour expliquer moun justement donc ça qui comment expliquer ça balayer et que en aucun cas président on président pas doit mourir comme ça la galère en aucun cas faut gagne moun qui tomber donc c'est en pile bataille président faut pas jouer ni dans espace là ouais président t'es un bon gars sauter lui oui pas problème par contre si on a regardé film à la maison depuis qu'on tire au cou à président dans mon cœur même s'il était avec ministre yo évacué yo fouiller là-dedans et yo quitté l'autre monde de bataille sécurité présidentielle avant 1994 il était assuré par les casernes de Salines et la garde présidentielle caserne de Salines était joué le périmètre là OK garde présidentielle de jeu service center. Donc c'est pas sa raison que ou tu es bâtiment ça repris par l'air tout. Exactement. C'est pas sa raison. C'est pas sa raison. OK. Parce que président tellement important, c'est un bataillon. OK. Qui te défend périmètre là. OK. Et c'est peut-être ça après effectif UGBN c'est environ 400 moun. 400 moun. C'est presque un bataillon. OK. Maintenant les Américains ont venu, ils ont retiré question l'armée et ont metté un autre système qui plus semblait à pas français. À pas français oui, très bien. Côté que ils ont metté trois périmètres yo. OK. Et le Américain était fait premier unité, il était le NPRG, okay. National Palace and Residence Guard. Ça veut dire que son corps qui pouvait protéger palais, seulement. Et résidence. Et résidence. Eh c'est ça que vient URGPN nous traduit en français. Eh bien. Maintenant, le que ça vient arriver, il y chaque unité Wallio et chaque jour, de 8h à 4h, URGPN doit faire 8h, 10h sport, 10h midi cours, midi 2h manger, chaque jour, 2h à 4h entraînement. Chaque jour, chaque jour. Debout est USGPN dehors, c'est président dehors. Si président pas dehors, anomalie. Debout est 4 teams dehors, faut président dehors. S'il pas dehors, anomalie. USP, bon seule mission. Et président comme ça. Président qui va manger là. Donc c'est grâce à ce journal Moïse après cela. Ouais, USGPN dans cette situation. C'est bêtise, c'est bêtise là comme président. Président qui va coucher dans la cabane à madame li. Ouais. Gon menace, il y a prend président à madame Yokou Yavel. Quitte le toutouni ou pas? Quitte le toutouni. Il y a fouet le bon gars. Parce que, à partir de moment où on menace, le président n'est plus responsable de la situation. De la situation. C'est chef, c'est peut-être ça que chef USPA, c'est chef sécurité présidentielle. Bien. Normalement, n'est USPA, il y a plus de formation que de l'URGBN que USP.
mais c'est chef USPAC toujours, parce que c'est lui, depuis qu'on menace, qui s'est le président, et puis lui-même à partir de Bunker, qui a commandé l'autre troupe. Alors, sénateur, dans le cas, non, qui est-ce qui te gagne un rôle ça même? C'est le commissaire Laquelle. Non, Laquelle. Le commissaire Laquelle. C'est lui qui te gagne un rôle. Alors, c'est pas lui, c'est officier du jour là. Officier du jour, parce que l'un parle là, l'officier que vous mettez qui est responsable. Oui. C'est officier ça qui peut sauver Abel, et puis parler avec Laquelle, et à partir de lieu que vous avez, que simplement, président à famille, à commissaire, même premier ministre, pour informer. Très bien. Ah oui. Côté président caché là, même premier ministre. Parce que pas contre côté ministre ça sorti. C'est président, sa famille et le chef de la sécurité. Très bien. Et qu'on y a au fur et à mesure que unité a défendre tête yo, on peut avertir les autres. Est-ce que n'importe qui monde capable chef sécurité président? Du tout pas, du tout pas. Ça qu'au chef sécurité président. Le chef de sécurité président, premièrement, c'est un coordonnateur qui a coordonné droit unité. Faut qu'il y ait capacité pour qu'on ait, c'est pas chef USP courrier. Eh faut les trois unités que ou connaît que c'est où qui responsable yo. Eh parce que toute action yo c'est où qui pour passer l'ordre. Eh bien, au chef de sécurité faut qu'il y ait trois formations. Faut qu'il y ait formation IGVN. Soldat. Oui, faut ce soldat. Faut qu'il y ait formation 4 team là. Faut c'est unité spéciale. Et faut qu'il y ait formation service secret qui c'est USP. USP. Est-ce qu'il a besoin de continuation politique en politique également? Ah oui, qu'on y a en politique. Ça va le gagner, c'est président, c'est homme de confiance qui le choisit. Ok. Parce que président, depuis le vin, il a changé sa sécurité. Depuis le vin, il a changé. Oui, depuis le vin, il a changé. C'est fort. Parce que ça, c'est la confiance. Exactement. Okay. Donc, son monde que président doit avoir la notion de politique, li, de tout ça qu'il a fait, pour le cas qu'on ait les menaces qui gagnent par rapport à la sécurité. Et c'est peut-être ça, il y a l'attitude, c'est pas un commissaire qui a bail grade, non. C'est un commissaire que le président choisit. Choisi. Parce que le décret de août 1996, il dit que la sécurité présidentielle est une unité de police, mais dont le fonctionnement dépend du président de la République. Très bien. Mais son nègre qui est très influent dans le pays. Ah oui. Chef sécurité, ah oui. Son nègre qui a de bons rapports privilégiés avec le chef de la police. Eh bien. Parce que depuis qu'on menace, premier monde pour l'investir, c'est chef de la police. Très bien. Son monde qui a de bons rapports privilégiés avec le premier ministre, parce que le premier ministre est un détenteur d'une partie de la souveraineté. Si on menace, faut le deal. Faut le deal. Ouais. Et son monde que président ville dépend de lui. Et tout le monde qui a pas entré dans le palais, il doit bloquer. Même si le président dit l'entrée. Même si le président dit l'entrée. Oui, c'est arrivé avec Bob Manuel. Oui, Bob Manuel avec Weval. Bob Manuel a entré dans le palais. Monsieur a gagné une série de armes, fusil d'assaut. Le président Weval dit l'entrée, il me dit monsieur va entrer. Ah oui. On sait que tu es bloqué par Bob Manuel. Oui, je suis le chef de adjoint. Adjoint. Je ne vais pas rentrer. Je dis pour qui ça, je vais rentrer à soit team que je ne vais pas contrôler et qui a un fusil d'assaut. Ok. Je dis non, on ne va pas rentrer. Parce que je ne vais pas contrôler ce affaire et que, sauf les présidents, dit que le lieutenant Yuri la tortue, je ne vais pas rentrer. Pour l'histoire et la vérité, donc vous bloquez Bob Manuel. Bloquez monsieur devant moi. On a le monsieur à rentrer, il y a le président Préval et c'était là, je veux dire, quelque chose de grand. Le président Préval dit si vous ne pouvez pas rentrer, grand problème. Le président Préval relève. Dit président, on connaît, on n'a pas droit bloquer en sécurité. Il y a des menaces. Eh bien. Monsieur a rentré avec ZAM 2 points seulement, tout l'autre pour nous a pris dehors. Eh bien. Si ce n'est pas comme ça, je ne suis pas responsable et je ne peux pas quitter monsieur rentré là. Et puis, il dit monsieur rentré, à machine ni seulement. Et puis, tout le monde est rentré. Avec tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Et ça, qu'on chef tout. Parce que normalement, moi, je connais responsabilité. Oui. Devinez ça, c'est que les deux là-bas. Oui, non, il y a problème. Mais j'ai fait mon travail. Très bien. Très bien. Parce que. Son unité qui est fort formée, son unité spéciale, mais qui n'a aucune mission dans la sécurité président, et qui n'a aucune mission pour entrer dans la balère. Donc, ils étaient restés dehors, président Préval remonter la sécurité, et moral n'est pas wow. Ok. Parce que moral n'est pas dépend de gens qui ont traité. De comportement. Voilà. Ok, maintenant, sénateur de la tortue, ça c'est les équipes opposition apprennent nouvelle là, et puis nous entrons dans la question de sécurité président. Exact. Maintenant, sur le plan politique. Sur le plan qui première décision nous dit après. Première décision nous dit après nous dit que madame monsieur suivez mission matin des bazar très bien. Le président OK, ouais, nous commencer depuis la genèse là. C'est ça. On nous arriver dans San Luis aujourd'hui là. Le président a été assassiné. Personne n'a fait la révolution. C'est pas opposition yo qui mène président pour le démissionner, il faut inclure tout le monde. Clair. Nous font réunion le lendemain. OK. Et nous dit le 8 juillet. Le 8 juillet. OK. Nous inviter Ariel Henry. OK. Nous inviter Joseph Lambert et ceci à Oasis. OK. Nous dit et pas ça nous t'a fait si ce président a démissionné. Mais comme le président a démissionné et qu'il y a des forces en présence, les jovenelistes, PHTK, l'opposition, on va faire un consensus.
Donc vous pas écarté yo. Nous pas écarté yo. On a choisi de garder Ariel Henry comme matin débat puisqu'il a été nommé par le président. Ceci pour satisfaire tous les journalistes PHTK qui étaient d'accord. Et nous avons des difficultés pour choisir président de l'opposition. Nous dit on va aller dans le Sénat. Et on choisit le président du Sénat. Qui c'est Lambert. Qui c'est Lambert. Et nous dit pour nous prendre résolution, pour nous prendre décision ça, faut que un acte légal. Très bien. Nous adresser à Sénat, yo même yo dit yo ka désigner un monde même si c'est pas Lambert par une résolution. Très bien. Et nous dit au fait et c'est là que résolution sorti dans Sénat. Yo fait résolution et nous même nous appuyer résolution. Est-ce que nous te signons? Nous signons. Sortim là. Oui. Nous signons un protocole d'entente. Okay. Que l'exécutif est un exécutif de consensus okay. formé avec le président du Sénat choisi par résolution et le premier ministre déjà nommé. Et tout ceci, PHTK Sien. Ah, PHTK Sien. Ah oui, le protocole de oui, PHTK Sien. Mais qui va la balle gâter la sénateur là-dessus? Il va le gâter. Le que nous rivons. Côté comme différents accords. Ariel Henry. Accord à gauche, accord à droite. Pour qu'on gagne accord, non? Justement, nous. Ariel Henry. En principe, résolution, ça t'a doué. C'est ça. Finalement, à la net. Oui, Ariel Henry qui était là. OK. Qui nous choisit comme premier ministre. Il vient saler comme premier ministre. Il retire Claude. OK. Et puis, il va pas saler Lambert. Il n'a pas de projet politique avec Lambert. Ah, c'est docteur Ariel Henry qui dit le pape Salé Lambert. Il a dit qu'il n'a pas de projet politique parce que l'IPA a exécutif bicéphale. Oh! Il va gagner pour voir ça. Oui! Comment qu'a fait décider ça, sénateur Latosu? Eh bien, ceci a été incompréhensible et c'est le ça que nous dit nous retirer soutien à Ariel Henry. Ok. Parce que il était présent. Il était présent à Oasis. Ok. Et les deux. Le sénateur Lambert et Ariel étaient présents. Et il était entendu. Il était entendu okay. qu'on aurait un exécutif bicéphale. Après son installation. Après son installation. Il virait d'eau, Banou. Il virait d'eau. Si. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Vous êtes ici Matin Débat. Ok. Ça, c'est très important parce que faut nous balader bien en l'air pour nous arriver à terre maintenant. Donc, c'est Ariel Henry qui bloquait justement l'installation de Joseph Lambert là. Nous discutons avec elle. Il dit que lui-même, il n'a pas une mission ça. Okay. Nous dit et le protocole d'entente. Il laisse Alvin Joël. Il dit que le protocole d'entente là, il était fait. Mais lui-même, il n'a pas fait bicéphale. Et depuis le Sahara, nous-mêmes nous dit attention, son bagage que nous t'entendons, vous étiez présent. Mais comment il a fait décider de parler lui-même pour le dire que pas canon. Comment nous-mêmes, tout, comment le reste, le monde qui était signé le protocole d'entente ça, comment nous, comme si nous juste assister sa fête, lui détourner le délit et puis. Et moi, le jour, c'est pas même assister. L'on arrive pour que nous passions à l'exécution maintenant de l'installation du président, les îles pas montrer la dalle. Et ceci a amené cette rupture. Parce qu'il y a la note, son conseiller Josué, que nous dit, nous retirer soutien. Avec Ariel Henry. Okay. Maintenant, quelles sont donc ses intentions cachées? Maintenant, est-ce que c'est pas le jeu du blanc qu'il est en train de faire? Est-ce que nous rencontrons Daniel Foot? Est-ce que Daniel Foot lui-même, comme envoyé spécial, il était pratiquement dans la même route là avec Daniel Henry. Comment Blanc lui-même, il comprend la question ça? Écoute, moi pensais que justement. Le corps groupe les Américains. Moi pensais justement que Blanc Gonjean l'a manipulé. Et nous-mêmes haïtiens, nous portons tête nous dans la question. Ok. Nous pas qu'à gagner un projet d'exécutif bicéphale. Que la Constitution dit c'est ça. Que un accord, même si tout le monde va entrer là-dedans, mais un accord global quand même qui est fait. Et on vient après réfléchir ça Blanc passé. Ouais. Parce que dans Blanc, il y a deux tendances. Oui. Au départ, après la mort, il y a l'ambassadeur qui était là. Et l'ambassadeur, lui-même, il était toujours au exécutif monocéphale. Monocéphale. Et je pense que l'influence, il agit en pile sur Ariel. Sur Ariel. Et là que l'Américain vient désigner un envoyé spécial, moi j'ai vu un autre discours. Ok. Côté envoyé spécial, ça, lui-même, il dit que dès qu'il y a une entente haïtienne, il entre là-dedans. Entre là-dedans, d'accord. Donc, moi, parce qu'on influence, peut-être au départ, qui était bon, mais écoutez, le premier ministre Ariel, le premier ministre et le président Bibon Bouli, qui est allé avec elle, oui, le Québec, et mon deuxième approche, et c'est en fonction de deuxième approche, ça, Louko, que je dis à moi, penser que le premier ministre Ariel, nous ne devons pas aller. Okay. Nous avons fait un sacrifice. Nous pas devons aller, justement. Non, nous pas devons aller. Nous avons fait alors, un sacrifice. Nous ne devons pas connaître, que pas connaître son cachet, tout. Non. C'est pas le nous fin fait pour mieux là non l'infini de nous là OK là OK quoi apaiser d'accord ça d'accord apaiser exact moi t'ai dit nous pas parler
Mais nèg yo dit ensemble nous avons pris une décision nous pour aller, il me dit pas un problème. Okay. Et c'est pour cela Louko bien fait pour commencer dans jeunesse là. Non, faut commencer dans jeunesse là parce que m'a dit que matin de son l'école. Nous t'ai dit téléphone capable du. Nous t'ai dit que moi-même personnellement moi t'ai dit il y a deux conditions. Okay. Pour accepter question ça, chaille chaude quand le froid. Quand le froid. Moi t'ai dit on va pas rentrer nous encore seul avec Ariel Henry, faut son accord inclusif. Très bien, très bien. Et moi t'ai dit et vous pouvez autour quelle position ça? Position ça. Très bien. Et moi t'ai dit forme éclaircie faut plan sécurité que n'a proposé à yo d'accord ou du moins yo proposé on gibibo asem. OK. Ça fait deux. OK. Et t'ai dit la dernière chose faut éclaircir question bicéphale là. Faut clair sur ça. Parce que Ariel Henry vient adopter en position monocéphale. Oui oui, bien sûr. Donc nous mêmes et c'est quoi ça l'opinion ouais sénateur là toi faut prendre que et dans l'opinion je dis à là c'est que tout le monde croit que une position que nous avons avant et que je dis à nous changer de non, position. Non, du tout. Du tout. Non, je parle de ça parce que quand même, les tweets en fait de André Michel sont là. Que l'idée déjà alors, dit que Ariel Henry est donc inconstitutionnel, illégal et que il y a même en fait parole barbecue qui parlait dans l'opinion. Et puis je dis à même Mounsa que nous pas d'accord avec lui et que et en plus, nous pas dans la question monocéphale là. Et encore, voilà que je dis avec Henry sous question monocéphale. Très bien. Comment dire l'opinion nous-mêmes? Ok. Premièrement, Fandi et André Michel, un ami, l'IPANA, signataire, protocole que nous avons choisi, Ariel Henry. Ok, dans la résolution. L'IPAT la donne. Ok, très bien. Lui-même, c'est SDP, l'IOTG en l'autre position. Le secteur démocratique, très bien. Maintenant, la question de bicéphale, c'est le premier point que Michita, sénateur Lambert, sénateur La Tortue, Ariel Henry, je crois député à Oudon. Okay. C'est premier point nous chita parce que tes gros problèmes de bicéphale. Très bien. Lui-même, lui dans monocéphale. Très bien. C'est premier point nous te dit éclairci, on va nous garder à corps. Fond d'évacuer ça. Fond d'évacuer. Très bien. Et nous avons entendu ce qui suit. Ceci a été stipulé dans l'article 2 de l'accord. Dans l'article 2. Qui dit dans l'attente du rétablissement de la présidence de la République. Dans l'attente. Dans l'attente, le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre, exerce pleinement et effectivement le pouvoir exécutif conformément à l'accord et tel que défini par la Constitution. Très bien. Nous te dit que nous avons privé un consensus côté bicéphale, nous avons appliqué dans deux étapes. Très bien. Comme pour un consensus sous question Lambert, la présidente. Oui, président, oui. Maintenant, on va mettre en place un gouvernement qui va exercer ce rôle-là, mais nous pour aller vers l'établissement du président de la République. Très bien, très bien. Ça, c'est l'article 2. Ça, c'est l'article 2. Mais, faut me dire un bagaille. Article 2, hein, mais comment nous avons défini l'accord dans le dernier accord que nous écrit. Dans l'attente des conditions politiques nécessaires et des procédures consensuelles pour le rétablissement de la présidence de la République, le Conseil des ministres et le Premier ministre, conformément au présent accord, exercent pleinement et effectivement le pouvoir exécutif. Très bien. Dans ça qui sortit. Elle dit que ailleurs, par exemple, ça le voulait. Non. Sans le Conseil des ministres. Non. Sans le Conseil des ministres. Bien, bien, et dans la tête du président. Bien, bien, bien. Et jusqu'où il y a le vague. Maintenant. Il va ça le maintenant. Et donc c'est sous base ça qui fait que nous t'allons. C'est sous base ça qui fait d'aller commencer. Commencer par là, monsieur. Par là, monsieur. Ok, très bien. Bien, bien. Maintenant, comme d'où. Moi, c'est ça. Il t'a mérité clarifié. Elle t'a mérité clarifié. Justement, parce que l'opinion. Parce que l'opinion, parce que nous faisons bicéphale. Non. Ouais, nous tenons bicéphale. Et puis, qu'on y a pour faire bagaille poste. Non. Ça qui dit. Du tout. Et que nous, qu'on y a, nous d'accord. Donc, aller donc, vers non. Le monocéphalisme. Non. Nous établir que nous faisons par étape. Ok. Et tout le monde est d'accord. D'ailleurs, c'est ça qui n'a accord final que je dis aux jeunes. Ok. Maintenant, ce qu'on a fait, il a modifié. Et malheureusement, les cap gardés au passé, les cap qui s'y est, pas gardé. Ils ont pas lu. Ils ont dit un petit mot. Donc, texte initial là, c'est pas le même négocié. Texte initial là, c'est conformément au présent accord. Au présent accord, très bien, oui. Parce que c'est l'accord qui est la loi. C'est l'accord qui est la loi, oui, bien sûr. Dans le texte, il y a aussi, c'est dans l'attente du rétablissement de la résidence. Le Conseil des ministres, dirigé par le Premier ministre, exerce pleinement et effectivement le pouvoir tel que défini par la Constitution. Ça veut dire que, monsieur. Donc, tout coup. Monsieur Obaï, oui. Premier ministre là, rôle constitutionnel, donc l'accord ne tient pas. Ça, c'est une ah oui, entendu. Parce que, faut te dire conformément à cet accord. Qui te dans le texte initial là. Oui. Correct. Et, non, pour le signer, l'homme garde moi, ça va la donne. Alors, premier accord. Alors que le texte adopté, c'était conformément à l'accord. Alors, dans le premier accord, et sénateur de la tortue, c'est à comme mettre en veilleuse constitution
pour que nous passions à la loi spéciale qui est cet accord. C'est d'accord, bien. Maintenant, c'est accord que tu as légitimé. Maintenant, nous redonnons au Premier ministre le pouvoir tel qu'il est défini par l'article 59 de la Constitution. De la Constitution. Qui dit en l'absence du président de la République. Et c'est texte à l'ordre négocié. C'est texte axien. Alors, chaque fois, Bastien. Chaque fois, Bastien. Non, moi-même, forme de. Je vais relire le texte parce que je ne suis pas Bastien. Mais chaque fois, nous, Bastien. Ok. Ça extrêmement important. Alors, moi souligne une anomalie. Ouais, très, et c'est la première fois que je dis dans le débat. Ça très important. Ça très important. Okay. Ça, très important. Maintenant, ça que fait une passion. Mais ouais, fait pas lire ça. C'est normal, ça n'a pas le pays dans tout problème, ça. Oui. N'est-ce pas, on vient pas bien débiter de faire bagaille pour chercher pouvoir. Et puis, je regarde de Michel Languide, on a un petit chat. Et puis, il s'y est. Pendant ce temps, il est au courant pour le premier texte, Inch'Allah. Il va même lire deuxième texte. L'année signe rapide. Maintenant. Pas ça, il n'a pas lu ça et puis il n'a pas perdu tout le problème. Maintenant, et le gros point pour m'éclaircir avant, le Premier ministre, depuis la première réunion, il était dit sous table. Et le principe a été accepté. Tout le monde qui est sous table là, n'a fait à quoi, monsieur? N'a fin signé, m'a chita avec nous pour me faire gouvernement. Ok. M'a pris aucun engagement envers personne. Est-ce que nous d'accord à ça? La signature à quoi? Hein? Non, depuis la première réunion. La première réunion avant quoi? Avant quoi? Il dit la bonne feuille blanche devant pour le faire gouvernement avec. OK. Donc pas de aucun monde qui te prend, il te prend engagement avec. Parce que pas parce que pas X ministère. Non, X directeur. Monsieur te dit la bonne feuille blanche devant. Correct. Et tous les postes sont disponibles. OK. Là ça l'a signé à tout le monde qui est d'accord là. En d'accord là, très bien. Nous avons adopté ce principe à la première réunion et à la dernière réunion du jeudi. OK. Donc l'homme a parlé de force, bah, c'est mon travail. Oui, quand même, quand même. Vous voyez monter, mais pas de aucun monde à ma connaissance qui veut gagner un engagement, ni pour lui ça, pas de prendre engagement envers. Depuis au départ. Depuis au départ. Maintenant, dans la première réunion, ça a l'occo qui était faite à la primature. Dans la première réunion, on m'a posé deux conditions. Moi, je dis, Premier ministre, songez que nous avons gagné un bail déjà qui était très mal passé. Je dis, moi, je viens là pour deux raisons. La question sécuritaire. Ma fond plan sécurité. Parce que si que nous arrivons là, nous pas résoudre question sécurité là. Fontamara bloqué. Nul. Pas grand-rien. Premier ministre a dit oui, sénateur, ce sont des détails. Il n'y a pas de détails. Oh, pas de détails. Question sécurité. Je vais y aller là. Oh, nous sont détails. Oui. Je vais y aller là. Moi là, oui, nous sont détails, c'est sécurité là. Moi dit Premier ministre, c'est pas détail. Si nous pas d'accord, ça à la porte qui doit aller. Et puis on dit sénateur la tortue ou te mettre écrit parti sécurité à d'accord. Donc, tout le monde vit d'accord à la fin que sur le plan sécuritaire, la pécril et ma fond plan que ma promette le lendemain. J'ai fait le plan, moi je remettre li à Premier ministre, moi je remettre li à la police. Le lendemain. Ou le lendemain. Et le lendemain, je travaille sur quoi? M'écrit parti sécuritaire là. Qui ça le dit? Parti sécuritaire là, c'est la mise en place d'une unité antiterroriste qui pour gagner la dimension de bataillon. Avec 300 éléments. Parce que le problème de la police réagit par équipe et par escouade. De petites unités. Mais le problème qu'il a, il mandé aux réactions militaires par une grande unité. Et femme dit ça, loco, pour la vérité. Tout le monde était d'accord. Il dit ça correct, sénateur, n'a pas écrit. Parce que quel que soit le gouvernement qui a venu là, il faut qu'il résout le problème. Oui, non, mais écoutez, quel que soit. Le problème, c'est pas le plan de sécurité. J'ai trouvé le soutien de tout le monde qui était sous table là, et du docteur Ariel Henry. Mais j'ai dit au Premier ministre, à la dernière réunion, c'était le jeudi de la semaine dernière, j'ai dit Premier ministre, nous d'accord sur quoi, mais qu'on l'autre bail nous manquer. Pour mettre appliqué sur sécurité, à forme j'ai une adhésion, en pilote, et même seulement non, il y a un problème, légitimité, légalité, suspicion, faut nous inviter l'autre monde, oui, tendez le coup, il était 11h30 du soir. Le Premier ministre... L'autre dit l'autre monde, vous voulez dire ça. La commission, le tiers du Sénat. Le tiers du Sénat, très bien, ok. La commission, marché pour la vie. Ok, Madame Como. Les jovenelistes. Les jovenelistes, très bien. Madame Como. Ok. Yo fait on lettre. Donc, vous m'avez fait tout le monde sur table. Tout le monde sur non, faut yo vini sur table. Puisque nous avons fini d'entendre nous-mêmes. Oui, bien sûr. Faut yo vini pour yo parler avec elle. Maintenant, libre à eux, si yo parle vini. Oui, oui. Mais il faut les inviter. Très bien. Mais est-ce que, pour en voir les sénateurs, est-ce que notre plan ça a proposé, ou t'es tout profité, tout le des DGPNH là? Non. M'va laisser gros plan, oui. Alors m'va expliquer au côté, bah l'arrivée le bassin, m'va le trouver dans plan. Parce que le plan, pas de problème, il est accepté, m'va le ça me demande. Maintenant, à 8h, député, yo écrit Magali Komo, yo écrit Tiens Sénat, le vendredi matin, yo écrit tout le monde, yo invité yo.
Par exemple, Magali, yo t'es invité pour dimanche 12h. Oui, très bien, moi. Et puis nous dit, après, au fin de recevoir Mounio, le sanapsien. Ça t'avait dit que, rencontre samedi, pas ta doué exister. À 3h, on m'appelle, on me dit de venir signer demain matin. Oh! À 9h. Moi, nous faisons zoom, nous dit que, tout signataire, nous pas signer à quoi ça. C'est pas possible. Parce que le premier ministre doit rencontrer moi personnellement, malgré les tout le monde, sénateur Lambert, tiens Sénat, et Gédéon Jean, eh bien. La commission m'a dit, il faut venir, il y a une possibilité de trouver une entente. Eh parce que fondamentaux, nouveau CEP, nous avons entendu, qu'on y a, c'est sur la gouvernance, il faut venir. Il faut venir, mon Dieu dit, il a venu. On m'appelle maintenant, à 9h, vous dit, il y a une urgence, on doit signer. Donc, quand tu veux te mettre dame, quand tu veux te finir, quand tu veux te coquer, à minuit, nous faisons zoom jusqu'à minuit. Okay. À minuit, on a décidé, on a fait une réunion à 8h pour nous parler de ça, pour que nous décidions justement sur ça, que nous ne pouvons pas faire. Ok. À 8h, comme bon gars, je me lève présent, mal en réunion. Samedi matin. Là, je me lève, moi, je suis bagarre à aller venir, journaliste à venir, je me dis attention, je vais venir dans la signature là. Je vais venir dans la signature là. Je vais après pièce, moun. Ok. Vin dim. Je dis même du monde, gars là il y a un piège au problème là. De toute façon, moi libre de tout mouvement et que oui, si on va me déplacer. On a discuté. Le premier ministre était d'accord avec sur la question vraiment faut recevoir Mounio, mais une grande majorité qui dit faut nous signer qu'on y a on peut pas attendre. C'est plus contentement. C'est plus signataire qui exigeait pour document signé dans jour samedi. J'ai dit au premier ministre et j'ai pris la parole en premier. OK. Je me dis, Premier ministre, nous ne pouvons pas signer. Vous avez invité Magali Kombo. Comment je vais regarder cette personne dans les yeux? Oui. Comment que vous pouvez le dire que vous signez un accord et pour inviter? Il y a une grande différence entre un accord d'adhésion et un accord d'entente. L'accord d'adhésion, c'est l'on pas être la banque ou mon papier. Ou pas que l'autre banque vous fait ses signes. Parce que si on canne une banque ou vient ouvert, la banque n'a pas discuté avant. Mais on tente. Et la lettre adressée, Lugo, député Josué, la lettre adressée à Magali Kombo dit. C'est une rencontre pour une discussion, pour trouver une entente. Une entente. Ouais. Est-ce qu'une entente veut dire une adhésion? Non. Dis, Premier ministre, vous avez écrit, vous avez signé. Dans le pays, ça, il faut respecter les paroles, non. Ouais. Malgré tout, comment ils ont décidé de signer et moi, je me suis retiré. Et moi, dis, Premier ministre, on va m'aller. Je suis prêt à signer un accord inclusif. Je suis prêt à appliquer avec tous les autres experts le plan de sécurité. Ouais. Même dans la politique depuis 10 ans, il faut me garder la tête haute. Je ne vais pas signer ça. Parce que je ne peux pas garder mon yon dans le jeu. Là, je me définis invité, et puis je me signe, et puis je me passe dans la tête. Ce sont des intellectuels, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui sont dans le pays, qui occupent les secours. Je dois diviser avec Job Delis. Je dois avoir la même attention, mais c'est un secteur de la population. Mais c'est clair. PHTK, Magali Kombo, bon gens qui ont passé. Et, logo, ou pas de droit engager. En rien, non transition comme ça, sans légalité, sans légitimité. On aurait toujours les mêmes problèmes. Mais que son question qui t'a surtout réservée pour nous poser à Dr. Reginald Boulos, MTV, tu as mes motivations. MTV est parti avec moi. C'est de même raison. Mais après, ils ont pris la décision de signer. De même que PHTK, puisque. Oui, de même que PHTK. Ils ont pris la décision. Je ne peux pas commenter les décisions. Oui, bien sûr. Moi, j'assume ma position. Ok. Alors, il y a un comité et groupe et Magali Komodeni en tout qui ont évité. Qui a lui-même by date parle pour le tourner. Est-ce que c'est pour signer ou bien est-ce que c'est pour discuter et ça c'est une bonne tenue. Écoute, l'objectif c'est qu'il y a une entente. Qu'on invite le tiers du Sénat, qu'on invite les journalistes pour venir regarder et qu'il y a une entente. Claire. Et l'entente c'est pas une entente pour tout le monde d'accord non, un consensus nécessaire. Nécessaire, C'est-à-dire que ou discuter un sacrifice pour le pays. Et là ça, loco, maintenant je viens au plan de sécurité. Pas canon la police, côté que policiers yo traumatisé par des opérations qui pas réussi traumatisé par le fait que yo pensé nèg yo gen pi gros âme que yo moi le prend yo m'a engagé yo dans des opérations que opération moun qui fait la bagay toute légitimité faut gagner alors et puis qu'on a n'importe qui ça le fait yo dit massacre d'abord n'importe qui ça le fait yo accusé c'est clair et en tant que responsable qui fait formation comment pourrait le dire policier agir s'il n'a pas la nation derrière lui? C'est clair. Donc, moi, je pense que les règles d'engagement de la police exigent cette légitimité, cette légalité. Le plan de sécurité, c'est une question technique. Mais les règles d'engagement sont une question légale et légitime. Et si vous ne voulez faire ça, ils n'auront jamais un minimum de sécurité. Et le comment dit, Premier ministre, si
il y a un accord avec un consensus nécessaire, ban 3 mois pour un résultat. Dans 3 mois, oui. Oui. Dans 3 mois, question il y aura des résultats. Sécurité, donc, non, nous ne pouvons pas résoudre à 100%. Mais il y aura des résultats. Grands résultats. Et si ça fait, si je suis entré dans le gouvernement, révoquer mon oeil. Parce que, bon, engagement que nous prenons. Mais l'engagement, il y a deux conditions posées. Faut que le plan est adopté, on est d'accord, on n'a pas de problème. Seulement, c'est le budget à priorité à la police. Ok? La deuxième chose, c'est la question de la légalité, légitimité. Je dis à. Donc, c'est une unité quand même qui tape dans la police là. Il tape dans la police là. Okay. Mais il tape un fonctionnement à part. Okay. Par exemple, on avait déjà trouvé le lieu, pas besoin de dire. Oui, monsieur. Unité ça, il tape toujours en condition D. Il tape un quartier général. Il tape un quartier général. Il tape un commandement qui est à part, mais qui dépend du chef de la police. Très bien. L'étape, il y a trois unités à l'intérieur. Une unité d'infiltration. Ok. En unité de renseignement et en unité de combat. De combat, très bien. Et unité ça, il n'y a pas l'autre travail à faire que ça seulement. Que clean up. Clean up. Il n'y a qu'à opérer deux côtés à la fois. Okay. Et derrière cette unité, nous dit immédiatement, après cette opération, l'État doit s'engager dans les quartiers populaires pour la question sociale. Eh bien sûr, parce que c'est 20 ans, 30 ans de dégénérescence qui fait grand pile jeune qui rentre dans ça. Oui, donc, je dis, si vous n'avez pas d'engagement de l'État, comment ça va se faire? Ça va bon vous payer. Ah oui. Donc, moi, pense que je dis, sénateur Latour, tu gagnes toute carrière d'aime. Loco, si mon côté, nous connaissons longtemps. Non, faut que je dise. Où t'as dit, sénateur, ça qui a passé là? Non, faut que je dise. Ça qui a passé là? Non, mais attendez, pas à parler de où? Ah oui. Donc, en un mot, sénateur Latour, nous, plan ça, les pas exécuter avec l'actuel DG de la PNH. Écoutez, moi quitter. Question remplacement yo pas dans exécutif et m'pas vouloir influencer personne m'pas quitter décision remplacer ou pas nan mais nous OK dès que moun quitter la cap gouvernal gen légitimité lui même l'a décidé OK nous l'a bien rapport que nous fait OK mais m'pas vouloir aborder le comme ça pour yo pas dire sénateur a li gen des prérequis correct li besoin changer moun non okay. Moi même m'entrer purement dans technique là et m'besoin autorité qui fait la gen légitimité moun qui inspire confiance oui pour que le rapport yo vini li évaluer pas de mal décider de ça jusqu'à présent sénateur kotoye là ou sorti ou aller parce qu'on pas signé ou est-ce qu'on su que parlement ça dit sénat pour qu'on joue aucun rôle dans ça que fait là sénat pour qu'on joue aucun rôle sénat pas là non sénateur font résolution il était inappliqué moi même moi quoi que sénateur te un rôle et c'est ça me demander invité au sénat moi demander invité au sénat et jodi a la sortie de la situation, c'est un accord inclusif avec une application de plan de sécurité, un budget normal et le suivi pour la question sociale. Voici le plan. Deuxième question, Dabmando. Vu connaissance ou expérience ou son homme international d'État, est-ce que expérience avec États-Unis, qui ont chargé dans le comme père démocratie, dans la zone, papa démocratie, est-ce qu'on pensait. États-Unis qui ont supporté encore en dehors du Sénat. Pas du tout, laisse-moi te dire. Est-ce que vous avez quoi signer samedi ou avez une réaction? Ah oui. Alors c'est là une analyse. Député. Madame, monsieur, monsieur Matéria. En intelligence, on se comprend. Ça vous dit, ça vous dit, c'est très important. On nous garde des réactions. Alors, nous ne devons pas parler de cette analyse-là. Nous devons garder des réactions. Donc, il y a un sur question à quoi. Moi, je pense que cet accord est considéré comme les autres accords. Comme les autres accords, très bien. Ah oui. C'est une de plus. Une de plus. Une de plus, c'est vrai. Alors qu'on voulait résoudre le problème. Correct. Parce que. Ou le coup, gagne qui pensait pouvoir, l'homme rivé ma gérer pouvoir. L'homme a le pouvoir, faut planifier. Faut planifier, faut planifier. Faut planifier. Et c'est cette différence que m'te vle jodi a, que nous même par expérience nous fait. Moi m'te gen droit peut-être on le défait lui, mais jodi a m'ke plus expérience. Non, oui, bien sûr. Jodi a m'blanchi sur le harnais. Moi comprendre pays ça. Le président, il faut dire au premier ministre qu'il n'a pas de légitimité, qu'il n'a pas de légalité. Femme dit premier ministre là, moi m'a regardé le danger, que m'te en opposition, que m'te contre Jovenel, mais il faut intégrer les journalistes. Il faut intégrer le PHK. Femme dit à premier ministre là, pas profiter de nos situations pour penser c'est pouvoir mal gérer. Vous êtes un coordonnateur pour faire avancer une transition pour les élections. Femme dit à premier ministre là que ce pouvoir c'est pas un pouvoir, même si on fait consensus là, on ne peut jamais avoir toute légitimité. Il faut avoir les autres instances avec vous, le Sénat de la République, la Cour des comptes, la société civile, le secteur privé, pour qu'on arrive à des élections fiables et viables. Nous, ouais que Daniel Foud dit, si pas bon accord, la question des élections, c'est une ouïe vers l'échec. Mais c'est vrai, l'idée. C'est l'expression de la pensée de la communauté internationale. Sénateur, l'entends-tu?
assassinat président Jovenel Moïse. Ou de yon nan pa mi moun ke la justice tire li. Y sorte fait en tant que bon citoyen. Ou paraître devant la justice. Le docteur Ariel Henry, rapport de CPJ page 108, confirme que li parle avec Badjo pendant soirée, pendant matinée, très tôt, dans périmètre. Après assassinat. Le commissaire Maître Bedford Claude invite le. Qui réaction sur ça? Très bien. Loco, moi, m'habitue. On allait homme de loi d'abord. Ah oui. Moi, m'habitue plusieurs fois. Je traîne dans l'ULCC. Malé. Oui, ou allez. Je vais aller. Ou ouais, moi, sénateur, allez. Oui. Bah, qu'on a rien dans l'assassinat Jovenel. Premier, moi, je vais laisser moi. Ou allez. Malé. Moi, je crois que la théorie principale, dès que la justice est là, il faut aller. Quelle que soit la position. Cependant, réserve que moi gagne au niveau des procédures légales. Gagne en procédure pour reler premier ministre. Ça c'est premier un. Normalement, reler premier ministre dépend de président de la République. Mais comme c'est pas président que là, c'est le conseil des ministres, le conseil des ministres doit statuer sur cette question pour dire s'il peut aller ou pas aller. La deuxième chose, le commissaire du gouvernement lycée instance de poursuite. Il y a trois instances. L'instance de poursuite, l'instance d'instruction et l'instance de jugement. Très bien. Dès que le dossier a sorti dans l'instance de poursuite, là, il est dans l'instruction, il revient au juge. Donc, le juge là obligé quand même. Il revient au juge d'instruction. Maintenant, commissaire, là, si j'ai une information nouvelle par rapport à ça, le dévoué, il doit faire un réquisitoire supplétif. Ok. Pour que il complète le dossier. Voyez, le juge là. C'est dans le cadre réquisitoire supplétif là que peut-être l'ICA Mandel. Ou bien, livrer le juge là pour juge l'attendre. Quel que soit le cas pour moi. Mais le juge est indiciel. Oui. Donc c'est son indiciel. Travail. Exact. Mais quel que soit le cas, moi-même, Ariel Henry, moi pense que faut l'éclaircir ça devant la justice. Moi pense que s'il pas éclairci, il a pris ton doute sous tête tout le temps. Oui, pour payer à tout. Ouais, si je vais te présenter les Belfort Terrible. Non, il a toujours. Ah, mon cher, il a tout la gueule solo. Oui, oui, justement. Ouais, qui va présenter? Oui. Il va dire rien. Il va dire rien. Mais si moi-même, je vais te présenter, je vais te présenter. Et premier ministre, là, il y a un déficit que le gagné là. Le fait qu'on a vu deux appels après. Donc, les vignons irritants, je veux dire. Les vignons irritants. Et moi-même, je pense qu'il faut éclaircir. Au nom de la morale politique. C'est ça. De l'éthique politique. De l'éthique politique. Moi, je pense qu'il faut éclaircir. Parce que s'il n'y a pas ça, la poteau en question. Et là, ça, on va prendre un petit tout bas. Moi, on est qui est contre lui. Il dit que c'est tout à ça, c'est Jovenel Lyo qui s'y est. Parce que, il y a des gens là-dedans qui ont un mandat. Correct. Et il n'y a pas présenté. Et il y a un pile de monde qui est dans le domaine. Ça n'est pas vrai du tout. Il n'y a pas assassin. Ça va le dire. Il n'y a pas besoin d'aller dans la question. Et bah, Jovenel. Mais, ou bah, occasion à des monde pour que je dis à vous parler. Moi-même, je pense que je dis à bon éclaircissement qui vous fait. Oui, pour que Ariel Henry a revêtu de légitimité et il a repris le commandement. C'est ça, je pense qu'il doit faire. Maintenant, l'éclair. Alors, ici, nous avons un débat. Compréhension justement de la situation. J'ai que le sénateur Latour tout dit là, c'est que le groupe international qui a gardé nous, le groupe qui a gardé nous. Donc, il y a le blanc qui nous regarde. Et ouais, on va réagir maintenant sur la question encore là. Donc, il vient d'apparaître. Donc, accord, ça, son accord en plus. Ou encore, tant que tout autre accord. Maintenant, politiquement, qui est-ce qui va passer dans le pays là, sénateur Latour? Politiquement? Qui est-ce qui va passer? Écoute, moi, je crois que. Parce que là, quand même, c'est des faux pas que le docteur L. Oui. Moi, je crois que si on fait. À quoi en plus, il y a deux bagages. Et ça n'a pas carité sans conséquence. Oui. Docteur Ariel Henry, il a une légitimité et il a un gros goumet à l'autre groupe. Oui, bien sûr. Parce que il pensait qu'il mettait au dehors. Correct. Deuxièmement, il n'a pas aucun moyen de communauté internationale. OK. Parce qu'il a pensé son accord en plus. Correct. Il n'a pas rentré dans la gouvernance qui va avoir un accord global et inclusif. C'est clair. Et là, ça, on parle dans une situation où on n'a pas de moyens, même pour payer employés. Même pour résoudre la question de sécurité. Il n'a pas de budget. Et on parle arriver dans une situation côté que, par faute de moyens, faute d'action. Ouais. Et là, ça, pays a retrouvé non train d'enfer côté que l'insécurité, le chômage, la misère. Donc, bah, là, il y a pire mal encore là. La vie est pire mal. La vie est pire mal. Parce que.
accord Ariel Henry a te doué l'accord. Il te doué l'accord très bien. Parce que c'est un accord d'État. L'autre accord c'est des citoyens qui fait. Mais l'accord d'État est imposable à l'administration. Et si accord est imposable à l'administration qui desservit des citoyens, faut chercher adhésion. On t'a dit, sénateur La Tortue, et communauté internationale t'a prononcé le favorable à accord ça. Ça qui va le passer. Écoutez, moi pense que la communauté internationale a toujours des lignes pour faire Haïti échouer. Parce que la majorité de monde par là-dedans ou d'où d'accord, c'est un accord bout de ma bite, ou après c'est fait. Et l'on prend le cas ces figures devant Muyan, ou après c'est haïtien. Juste, moi-même, moi, quoi que, il faut encourager l'accord global et inclusif. Hein? La question de monde qui pense après Dieu, il faut retirer ça dans la mentalité. Oui, oui, ça finit. Okay? Fini. Et toi, il faut créer un climat propice pour organiser les élections afin d'avoir des élus légitimes. À travers tout ça, sénateur, mais il y a le temps qui joue contre nous. Étant comme chef d'État, responsable, pays. Écoute, c'est peut-être ça, nous t'ai accepté sacrifice pour nous faire bicéphale dans deux temps. Lundi, nous avons fait bicéphale dans deux temps. C'est pas que nous pas voulu installer président tout de suite, non. Nous constatons l'école va l'ouvrir. Nous constatons un pays cyclonique. Nous constatons une insécurité grandissante. Et puis, tremblement de terre qui se passe là. Tremblement de terre là. Nous constatons que l'aide de la Malgérie nous dit on met le gouvernement toujours. Le président viendra après. Et là, nous avons fait un plan de sécurité. Nous avons donné un temps, oui. Un mois que y a formé nèg yo préparé yo pour yo à l'action et puis nous avons l'autre unité nous prévoir qui pour kembe en attendant. OK. Et nous te dit dans 3 mois il faut avoir les résultats parce que dans 3 mois le CEP doit lancer les opérations. Les opérations électorales. Donc c'est un calcul fait en fonction de délai, en fonction du temps. Mais à partir de ce d'accord combien de temps en fait c'est les 12 mois. 12 mois à partir de l'installation donc, du CEP. Ariel t'as plat donc pour 12 mois. Oui, à partir de l'installation du CEP, 12 mois pour organiser toutes les élections. Donc là nous t'as parlé de 2022, fin 2022. Exact. Fin élection, élection t'as faite en novembre ou bien en octobre? Octobre ou novembre 2022. Et c'est là ça où t'as privé qu'on t'a bien élu. Et dépendant de le 7 février 2023 donc exactement. Ou bien on doit gagner des élections en retard, ou bien doit gagner en retard dans bas là pour que parlement installé, président installé. Maintenant le tiers restant du Sénat. Le tiers restant du Sénat. Tu as parlé? Mandat a fini justement en janvier 2023. Et là ça, il a fait élection pour les 3 sénateurs. Donc moi crois que dans le schéma que nous avons, il manque l'accord inclusif. Il manque l'accord global. Et je dis, on n'est pas à penser parce que vous êtes dans l'opposition, et bien on entend avec Ariel, et puis c'est bon. Et non, c'est bon. Eh bien. L'opposition n'a pas fait la révolution. L'opposition est un acteur. Les jovenelistes sont acteurs. PHK sont acteurs. Les gars de 1956 que ma coupe pas là dans 1947, pas qu'à tourner là. Non, du tout. Et là, ça va toujours frapper tête ou non mu. Et dans mieux frapper tête ou là, ça va dire pas faute pam. Mais vous êtes engagé dans l'échec. Bien sûr. Et ça fait me dire l'homme politique planifie avant de prendre le pouvoir. Avec une équipe également. Mais le politicien, dans la définition haïtienne, il prend le pouvoir d'abord, et il essaie de planifier. La bagarre ça va le faire. Donc, moi, quoi que je dis, attitude ça, que nous gagnons de. Parler avec des moun, dis moun yo que depuis la fois qu'on a pris les yo, ou écrit yo, et pour abscier, non, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages. Dernière question, sénateur Latortue. Alors, est-ce que l'aspect de la réforme constitutionnelle n'est pas abordé dans le dialogue yo tout? Parce que, c'est l'information yo, Dr. Ariel Henry, toujours été accroché à la question référendum. C'est ça. L'aspect constitutionnel a été abordé, et justement, c'est ça. Nous t'ai dit il faut mettre sur pied une assemblée constituante qui va regarder tout le travail. Même travail que Jovenel fait, travail université, pour travail de Rita Dieu, pour regarder tout ça que tu fais sur la constitution. Et nous t'ai dit justement, c'est la concertation que nous allons déterminer, j'en ai fait adopter. Parce que je dis à la constitution, nous t'ai reproché avant que le patte la fait en national, faut que son projet national. National, mettre sur pied l'assemblée constituante, c'est une étape. Très bien. Des gens qui vont réfléchir sur ce texte-là. Mais adopter à son lot de bagaille. Et il faut que fois ça nous t'ai abordé en l'autre façon. C'est yon après l'autre. C'est yon après l'autre. Donc, moi, pense que le pas qui manque nous, si as-tu ça qui fait en pressé, Il n'est pas bon. Moi-même, je suis prêt. Il n'est pas bon. Oui, pendant que je parle là, si quoi encore global et inclusif, je suis sien. Ma responsabilité de la sécurité, et je demande 3 mois pour des résultats. Sénateur Latortue, est-ce que là, tout nous te voyons, prochain journal, route courant,
nous pas discuter sur nous te mettez continuité alors dans mission du gouvernement garder point 13 et 14 OK faut que il y a continuité de ces projets OK tel la question le courant et bail courant qu'a fait Carrefour la route de Port de Paix correct. OK correct. Et il y a un pile d'autres projets que vous avez cité très bien. Parce que ça arrivé là c'est un consensus OK. C'est pas une révolution. C'est pas une révolution. Même j'ai en Afghanistan. Oui, bien sûr. Qui changeait. C'est radical, un changement. Radical. C'est un consensus qui m'a dit pour que nous lançons nous dans la continuité. Bon, même si c'était une révolution, si on a commencé à faire une route, il faut finir. Il faut finir. Et vous payez la bonne. C'est oui, il la bonne. Si le commencement, vous avez le droit de changer le programme d'orientation. D'orientation, très bien. Mais les questions de projet. Correct. Faut continuer, oui. Correct. Parce qu'il n'y a pas de discussion sur ça, non? Non, pas quelque chose, je vais voir les locaux de Walvo de Pepe ou bien non, mais c'est clair, mais oui, bien sûr. Quelque chose, je vais dire, on besoin de courir. Donc, moi, nous, on doit critiquer la façon de faire, yo, mais il faut continuer ces projets. Et ou pas qu'à, en tant que d'État, rentrer dans le bagage pour essayer d'effacer. Correct. Parce que, comme l'État est dépensé dans ça, nous n'avons pas passé, non? Oui, c'est vrai. Son budget de 2 milliards, nous avons. Oui. Il faut nous faire pile fois, oui. Je dis à Douane Bandra, non? Donc, moi, je crois que on est prêt. Premièrement, il faut mettre dans la tête, non, c'est un consensus qu'il faut pour gérer ce pays et pour aller vers la résolution du problème sécuritaire et ensuite aller vers les élections. Sénateur de Tortue, dernière question. Dossier Maître Mécène Jean-Louis. Ça te passe à Maître Mécène. Mais ça te passe. Bon, je vais répondre, non, chef. Non, non, pas répondre. Dernière question, madame, monsieur. Ou quoi mettre Mécène de Mongolaï? Ça vous. Moi, t'as loué mettre Mécène. Okay. Avant encore 5 juin. Ok. Ça qui passe là. Moi, dis mettre Mécène. Côté question arrivée là. Après la pause. Moi, dis mettre Mécène. Question, question arrivée là. Moi, pensez dans telle conjoncture. Ouais. L'été bon, mais là, m'ba quoi que. Il va gagner, mais qu'on passe ça. Ou que la veste. Oui. Moi, même les gouna arrivés. Oui, oui. N'a essayé ouais comment ou qu'a réintégré. Cour de cassation, ok, pour que ou joue un rôle, ok, mais rôle ça moi qui a vu, mais combat qui là, bagaille yo changé. Well, donc c'est ton le choix de mettre Mécène, non, c'était au moment du 7 février. Laisse ça symboliquement, il fallait avoir un président, oui, bien sûr. Mais l'un évolue, nous venons le 5 juin, je venais là-bas avancer, nous avons dit qu'il faut un premier ministre sans président, ok, parce que. Nous devons jouer un consensus avec et Jovenel pour nous dire que, où pour aller, Premier ministre a choisi son consensus entre nous deux et que on nous fait pour nous faire l'élection seulement. Très bien. Donc le 5 juin, j'ai expliqué au président Mécène, comme nous avons fait une compte avec nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas compte de nous. Ou pour trop parole comme ça. Mais, le quoi, mieux vaut 10 paroles là. Non, mais écoutez, monsieur, écoutez. Mais mieux. Mais écoutez, on voit oui, parce que ce sont des gens que je vais rencontrer dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Moi, allez, moi, expliquer. Femme du j'étais avec quand même Pierre, qui était là, Serge Jean-Louis, et qui lui-même, c'est un parent, qui a aidé dans la question, qui a dit il faut comprendre. Le sénateur est venu pour expliquer. Au lieu de l'ouïté, nous t'en dessiner la radio. Oui, il a parlé. Et il parle là. À quoi la sortie, moi expliquer. Et puis, maintenant, l'accord du 5 juin, c'était un accord de premier ministre sans président. Mais comment lui-même lui voit ça personnellement? Il te dit, écoutez, sénateur, on connaît, et moi-même, moi pas de problème, moi connais depuis petit. Mieux vaut que Dimli. Soit il va bon ou Dimli. Soit il a bon Dimli, mais nous ne pouvons pas de compte pour ça. Écoutez, je suis en réserve de la République. Et si c'est moi qui dois bloquer. Retirez-moi. Eh bien, il avait bien réagi. Okay. Alors, avant de finir net, qui est-ce qui plus. Vous connaissez le sénateur Gon Chapeau et l'homme de loi, tout. Qui pouvoir, on a dit là, dans la perspective de changement de gouvernement qui est dessiné là, qui pouvoir Ariel Henry gagner sans conseil des ministres? Est-ce que. Comment le gouvernement ça après le monter? Ariel n'a aucun pouvoir sans le Conseil des ministres. Oui, aucun pouvoir. Là, le statut spécial qui prévoit que si un président mourit, ou bien s'il va là, qu'on conseil des ministres qui a géré, c'est le Conseil des ministres qui joue le rôle de l'exécutif. Et non le Premier ministre. Non. Ouais. Ça veut dire que nous pas qu'à faire un accord qui est au-delà de la Constitution. Très bien. C'est-à-dire tout ce que Ariel Henry a fait, il faut que lui revêtue. Du Conseil des ministres. Eh c'est la Constitution qui le dit. Eh dans l'article 149, dans les 4 premières années, si gagne un président qui mourit, c'est le Conseil des ministres. Si c'est la dernière année, c'est l'Assemblée nationale qui choisit un président. Correct. Mais Ariel
li inscrit nan question de li même qui rete, li inscrit nan question conseil des ministres. En bien en attendant que là que ka gon président entende, c'est le conseil des ministres. Une dernière question avant de partir. Est-ce que le conseil des ministres est capable de révoquer le dos? Le conseil des ministres prend toutes les décisions. OK. Le conseil des ministres prend toutes les décisions concernant le fonctionnement de l'exécutif. Merci un peu, le sénateur Youri La Tortue. Nous sommes contents avec au matin. Nous sommes débat. Nous sommes bon parler. Merci, Loco. Merci, député. Merci, c'est un plaisir que vous avec nous. Et bien content de nous faire jeunesse là. Ça permet de élucider la question de bicéphalité. Nous n'avons pas changé de position. La question de la sécurité. Tout le monde est d'accord sur le plan sécurité. Mais application, je dis un accord global et inclusif. Et s'il n'y a pas ça, je ne peux pas rentrer parce que les règles d'engagement doivent protéger les policiers. Merci un peu, c'est un peu là-dessus. OK, on prend une pause.